m'appelle Timmy. Moi, c'est Gérald. Et avec Léo, ça va un trio. Timmy. Gérald. Timmy, Gérald. Ok les gars, ça vous dirait une bonne journée d'escalade de la montagne? Moi je trouve ça pas si mal. Eh ben devinez quoi, on va essayer de d'escalader vers la montagne bouclier. C'est un bouclier mais de pourquoi? Parce que tout simplement ça cache un Pokémon légendaire d'un certain... Non, je préfère pas le dire directement parce que il y aura plus de surprises. Mais enfin bref, j'ai vraiment hâte de faire une partie d'escalade vers la montagne bouclier. Et qu'on soit les premiers à atteindre le sommet du montagne bouclier. Hein. Rien qu'en voyant la hauteur de la montagne, je sens plein de détermination qu'on y arrivera jusqu'au bout. Timmy, pourquoi est-ce que t'es de mauvaise foi? Mais sérieusement, franchement, en escalade, promenade, de santé, c'est chiant. Quoi? Mais tu fais souvent des promenades de santé. Ouais, mais là, franchement, une escalade bidon. Alors que tout ce que je veux, c'est juste passer du temps à jouer à la PS5 ou la Switch, en train de jouer avec une belle fille, avec une belle gambette sexy. Et de là de faire une escalade ennuyeuse et là où ça passe rien de captivant, franchement, ça me donne même pas envie. En plus, ça fait mal aux pieds, ça fait souffrir l'escalade. Je te le dis directement, Gérald, ça fait souffrir. Franchement, l'escalade dans la montagne, c'est même pas captivant, hein. Timmy, t'es vraiment de très mauvaise foi, mon gars. Il y a de tout. Il se passe des choses quand on escalade. Alors franchement, je suis désolé, mais comment tu peux savoir tant que tu n'as pas essayé? T'as même pas tenté le moins d'escalade, à ce que je sache. Sauf si on compte avec les séries de mes parents sont magiques, à ce que je sache. Enfin bref, Timmy, on va faire l'escalade et je suis sûr que ça va être la plus belle expédition de cette année. Ah bah ouais, quand même, ça serait vraiment génial. Enfin bref, moi je serai guide et vous, vous n'avez qu'à me suivre. Bien. Alors, vous êtes prêts? Non. Évidemment. De toute façon, Timmy, là, moi je veux porter volontaire. Cléo veut porter volontaire et donc c'est toi tu n'as pas le choix, donc tu vas devoir nous suivre. La popularité compte. Alors, c'est parti mon kiki. Allez, Timmy, ne sois pas un sacré rabat-joie. Entre dans le jeu et fais passer un bon moment. Évidemment, je te jure quoi. 12 seconds later. Ah bah bravo Timmy, t'en as fait des efforts. Ah, ça fait... Ah, je suis déjà épuisé. Sérieusement Timmy, et de bonne volonté. Si tu te fatigues pour rien, c'est parce que tu fais ton rabat-joie. Ouais, bah c'est facile pour toi de dire ça. On n'a pas le même concept d'énergie, de force, à ce que je sache. Enfin bref, moi je continue l'escalade. Wouhou! Ça te dirait à ce que je donne un coup de main? Pourquoi pas? Est-ce que je peux monter sur ton dos? Je pense plutôt à prendre... Le bout de tes cheveux par ma bouche. Quoi? Aïe! Hey! Oh, je te jure! Hey, mais arrête ça! Alors,
c'est mou tout ça, hein? Désolé Gérald, mais Timmy, il est trop fatigué. Oh, ça fait déjà à peine une minute qu'on commence l'escalade. Timmy, aie de bonne volonté enfin. Mais si tu te rends pas compte, mais c'est vraiment trop dur l'escalade. Et en plus, tu trouves pas qu'il fait un peu sombre dans le sommet? Là, j'avoue qu'il n'a pas totalement tort, il fait un peu flipper le sommet de la montagne. Oh, allez les amis, et de bonne volonté. Eh, hey, mais c'est quoi cette créature dans, au fond? Oh, c'est juste un simple petit chien. Un chien qui a l'air plutôt effrayant. Gérald, tu crois pas qu'on devrait laisser tomber l'expédition? Quoi? Mais non, 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 tu as voulu, tu l'as eu, voilà. Il faut quand même continuer l'expédition. On a déjà affronté à tous les dangers. Tu as même affronté Freddy's, l'entité de cauchemar de pizzeria, ce que je sache. Ah, mais c'est vrai, ça. Dans ce cas, je suis partant. Quoi? Mais enfin, bref, on n'a qu'à continuer le chemin et... Je me demande... pourquoi et qu'est-ce qui nous regarde comme ça, hein? Je sais pas pourquoi, mais je sens pas! Je sens pas! Oh, Timmy, arrête! Arrête, franchement. Bon, on n'a qu'à continuer, et je peux vous garantir que tout va bien se passer. Vous avez ma parole. Maman! Non, finalement, je préfère continuer avec ma propre physique. Maman, comme tu veux, Timmy. C'est quoi tout ce bruit bizarre? Peu importe. Eh bien, il est où le créature bizarre? Mais enfin, peu importe. Je n'ai plus qu'à attendre Timmy et Cléo. Mais pendant que j'y pense, où est-ce qu'il se trouve le tout sommet de la montagne? Hey! C'est pas la peine de vous bousculer comme ça, hein? Ah, c'était vraiment fatigant. Bon, maintenant qu'on a fait le sommet de la montagne, on n'a qu'à retourner... Hey! Quoi? Ce n'est même pas encore la toute sommet de la montagne. Quoi? Ouais, mais j'avoue que même moi, je me pose un peu de questions. Où est-ce qu'ils peuvent trouver le tout sommet de la montagne? Eh bien, attends une minute, il est où le chien bizarre qu'on avait croisé tout à l'heure? Ouais, c'est vrai, ça, il était... À mon avis, ça doit être un fantôme. C'est tout ce que je vois comme explication. Un fantôme... Attends une minute, t'avais bien dit que la montagne... Tu avais bien dit que le nom de la montagne, c'est le montagne bouclier? Ouais. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je sais ce que c'est. C'est Samazeta. Oh, super, tu viens dévoiler la surprise. Non, mais c'est pourtant évident. Le chien au fantôme et le montagne bouclier, c'est Samazeta. Tu peux arrêter de paniquer comme ça? Et puis qui dit que ce serait Samazeta, hein? Mais tu le sais très bien. Et la preuve, tu as dit que tu voulais pas révéler la surprise. Oui, mais c'est selon la légende. Vous entendez, ce bruit-là, il fait un peu trop peur. Hey, c'est trop tard de revenir en arrière. On n'a qu'à continuer l'expédition. Je sens que cette expédition va partir en cacahuète. Ouais, mais je vois pas qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Cette zone-là de la montagne est... Oh mon Dieu, c'est qui? Eh, hey, mais tu serais pas le... Hein? Qu'est-ce que... Dis donc, tu serais pas le chien qu'on t'avait vu au presque tout sommet? Tous ces bruits bizarres. Bon, je vais essayer de l'approcher délicatement.
Pourquoi est-ce que tu grognes avec la tête comme ça? D'accord. What the fuck? Est-ce que tu as entendu? C'est Gérald. Il a dû avoir un certain problème. Alors là, franchement, si c'est ça, mais cette taille, ou bien encore s'il se fait dévorer, j'ose même pas imaginer. J'avais dit que c'était une mauvaise idée de faire une expédition. Est-ce que vous avez voulu m'écouter? Non. Alors voilà qu'il est dans la merde. Et au lieu de te paniquer comme ça, on devrait peut-être essayer de le chercher avant que ça soit trop tard. Tu as raison, faut vite le sauver. Ça fait mal. Gérald. Oh, mais ça suffit aussi. Ça se voit pas que j'ai été tabassé par un chien. Un chien? Mais oui. Attends une minute. Bah, il était là. Mec. Quoi? Tu vas dire que je suis cinglé, c'est ça? Non. Tu viens te faire attaquer par un fantôme. Quoi? J'allais dire que t'allais te faire attaquer par un Zamazenta. Mais n'importe quoi. Il est un peu trop réaliste pour être un Zamazenta. Ça se voit pas quand même. Je le sens pas, moi. Je le sens pas, mec. Là, cette montagne est hantée. Je sais pas trop pourquoi, mais je comprends pourquoi est-ce que personne n'a voulu monter jusqu'au bout. Cette montagne est maudite. Je pense que tu devrais laisser tomber et passer à autre chose. N'importe quoi. On a juré d'être les premiers au sommet. C'est toi qui le dis, honnêtement. Oui, mais je suis quand même d'accord de son avis. Tu vois, même Cléo est d'accord. Mais depuis des incertains interlopes, je pensais à ce que ce soit une escalade gentille ou bien encore délicate. Mais là, ça devient un peu... flippant! Écoutez, on n'est pas des poules mouillées. On est des trios mégalos. Alors, on doit tout faire pour aller au sommet, peu importe les circonstances. On va se faire massacrer, c'est sûr, hein. C'est sûr. Bon, je n'ai croisé aucun autre chien. Ça semble être un peu tranquille, honnêtement. Cléo, ça va? Je sais pas pourquoi, mais je commence à avoir peur. Je sais pas trop pourquoi. Cléo, arrête de faire ta pleurnicheuse. Tu sais très bien que j'étais le seul à être tabassé. Ouais, bah justement. Imagine si c'est moi le prochain à être tabassé par un méchant chien. Ou bien peut-être par un Zamazenta. Mais je te le dis que ça ressemble même pas à un Zamazenta. Ça ressemble à... Attends une minute. J'ai entendu comme un certain bruit bizarre. Quoi? J'ai entendu comme un certain pas de chien. C'est ça, t'essaies de nous faire effrayer. Non, je te jure, je l'ai entendu tout à l'heure. Oh! Quoi? Qu'est-ce que... Un chien qui n'est pas le même que tout à l'heure. Méchant chien. Qui a peur de méchant chien? Oh, ça va, Cléo, c'est pas le moment pour... Un autre chien féroce. Mec, il faut se mettre à l'abri avant qu'on se fasse dévorer par un chien. Regarde comment il est effrayant quand il se pose comme ça. En plus, il a l'air de ne pas vouloir nous attaquer, mais ça fait peur quand même. Cachons-nous. What the fuck? Le chalet abandonné! On doit se cacher vers le chalet abandonné! Yeah! Hey, attends-moi, espèce de gros naze! Mais...
Comment je suis coincé? Je suis trop coincé. Oh, c'est pas vrai. Oh mon dieu. Il était vraiment pire, ce chien. Est-ce que tu crois que c'est un chien qui ressemble à peu près à Zamazentam? Ok. Oh, pas de panique, les gars. Pas de panique. Bon. On est peut-être dans la merde. Attends, chut! J'entends certains pas de chien encore. C'est vous qui ne sentez pas que le chien en question, non? Tu crois que ça va combien de temps ça? Tu crois que ça va se terminer? Je ne sais pas, moi, mais en même temps, je pense que le seul plan dans tout ça, c'est d'attendre jusqu'à ce qu'il n'y ait pas le moindre bruit de chien. C'est parce que s'il n'y a plus le moindre bruit de chien pendant une demi-heure ou un quart d'heure, ça veut dire qu'ils sont en allée. T'es vraiment sérieux, mec? T'es vraiment sérieux? Bah oui, je suis tellement sérieux, hein. Enfin, je suis sérieux quand même. Enfin bref, voilà mon plan. Il faut juste attendre au bon moment. Et tu crois que ça va durer pendant combien de temps? Ben, peut-être, disons, une minute? 12 o'clock midnight. Sérieusement. Timmy, à quoi tu joues? Bah, je joue à Pokémon Go. Ah, j'ai rencontré un canard artichaut de Galar. Ça peut être sympa pour ma collection. Oh, mais putain! Allez! Oh, mais je te jure, quoi! Tu sais pas comment capturer un Pokémon? Si, attends. Il suffit que je fasse ça et... Oh mais c'est pas vrai, mais va te faire foutre, hein, je te jure! Sans commentaire. Ah, enfin, je vais capturer. Quoi? Mais va chier, canard artichaut de merde! J'essaie de dormir. Et ça fait combien de temps que ça dure, ces conneries? Je sais pas, mais je veux capturer un canard artichaut de Galar, hein. 12 seconds later. Ouf, j'ai enfin capturé Carnatichaud, hein. Et il faudrait que j'ai 50 bonbons pour faire évoluer en Palartichaud. Ah, je te jure, quoi. Mais en tout cas, je préfère honnêtement Palartichaud que ce Lucario de merde. Hein. Il est classe parce que c'est un Pokémon Diamant et Perle. Parce que... Ah, je te jure, les fatboys me cassent les couilles avec son Lucario à la con. Quoi? J'entends toujours le chien. Si ça continue, on pourra rien faire. Il va nous dévorer, c'est sûr. En plus, il ne reste plus que 48%. Oh, dans ce chalet, il n'y a même pas de batterie. Mais pourtant, j'y pense. Comment tu fais pour avoir du réseau malgré le fait qu'on soit presque au sommet de la montagne? De quoi je me plains? Si on reste là à rien faire, eh ben c'est sûr, on va risquer de moisir ici. Alors c'est pour cela qu'on doit essayer de sortir du chalet et rentrer chez nous? Non! Pour aller au sommet de la montagne. Mais on est quand même des durs à cuire, hein. Ouais, bah on fait comment? Il fait nuit, et si jamais il va nous dévorer, sachant qu'on n'a pas de lampe. Mais t'as quand même ton mobile, hein. Mais je t'assure que ça va gâcher l'énergie. C'est soit là, soit l'autre. Hein? Soit on sort pour utiliser ton mobile, soit on risque de moisir ici, hein. D'accord, mais dans ce cas, on rentre chez nous. Bah ouais, c'est mon mobile, hein. J'en fais ce que je veux, hein. On verra ce qu'on peut faire, hein. Cléo! Quoi? On va sortir de la chalet. Et le chien dans tout ça? Bah on va essayer de faire en sorte de sortir sain et sauf, hein. Ok, mais j'ai peur pour la suite. J'ai peur pour la suite. Ok. Bon, le sommet de la montagne, on n'arrive pas vraiment à le trouver, hein. Alors on devrait un peu laisser tomber, hein. Sauf si on le croise quelque part, hein. Oh, t'entends quelque chose? C'est le chien. Et où est-ce qu'il est? Le chien est là! Ah! Sauf qu'il peut! Hé! Hey, mon
automobile. Ah, super, merci beaucoup Gérald. C'est super sympa. Oh, désolé, désolé. Ah, attends. Ah, désolé aussi Chloé, désolé. Bon, on fait quoi maintenant? Dis-moi Gérald. Quoi? Ne me dis pas que tu as éteint volontairement le mobile, hein. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Oh, je te jure, quoi. Tu sais comment le réallumer? Oh, je te jure, si j'avais... Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Gérald? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Comment te le dire? J'ai accidentellement éteint le mobile. Quoi? Et après, c'est moi l'idiot dans ça? C'est moi qui suis pas malin? Oh, mais je te jure, quoi, tu as éteint le mobile? Ouais, mais c'est bon, quoi. J'espère que tu n'as pas mis n'importe où, hein. Non, je l'ai mis dans ma poche et... Oh, merde. Oh, c'est pas vrai, tu as laissé tomber? Ouais, bah, je suis désolé, mais le chien, il était tellement flippant, hein. Honnêtement, d'accord, mais paniquons pas, mais on a qu'à essayer de chercher le mobile par terre, hein. Est-ce qu'il se trouve là? Non. Est-ce qu'il se trouve là? Non. Est-ce qu'il se trouve... Ah, je l'ai trouvé. Je sens le mobile. Mon mobile, je connais par cœur. Je l'ai trouvé. Bon, maintenant, la question c'est... Est-ce que mon mobile marche encore? Bah, il y a quand même intérêt, hein. Ah, enfin, j'ai... Ah, un chien féroce. Oh, 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 oh. Waf, 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 waf. J'en peux plus. Tu crois que... qu'on est allé un peu plus loin que d'habitude? Je sais pas. Waf, waf, waf. C'est Zaman Zenta. Attends. Quoi? C'est Zaman Zenta, mais en toutou. En toutou? Waf, waf. C'est pas le vrai Zaman Zenta, c'est Zaman Toutou. Bah oui, Zaman Toutou. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Ah ouais, c'était pas le vrai... Ah d'accord, je comprends mieux. Ah oui, je vois. C'est pas en fait Zaman Zenta, c'est Zaman Toutou. Zaman Zout Toutou. Waf, waf, waf. D'après ce que j'ai compris, celui qui a réussi à voir Zaman Toutou, ça veut dire qu'on a réussi à atteindre au sommet. Quoi? Oui, on a réussi à atteindre le sommet. Ah bah c'est cool. Maintenant, est-ce qu'on peut rentrer chez nous? Ah, y a-t-il une détail, hein? Quoi? C'est que une fois rencontré Zaman Toutou, il va nous dévorer. Avec les deux chiens. Ruff, ruff, ruff. Cassons-nous alors. Mais on va devoir descendre du haut de la montagne. Mais on devrait pas prendre l'escalade. Non. Aïe. Aïe, j'ai mal partout. Cette fois, c'est pas moi qui ai proposé l'idée de se jeter dans le chute libre. Bah au moins, on est débarrassé de ces deux chiens. A few moments later. Oh, aïe. Alors là, ça c'est une expédition que je referai plus jamais, hein. Bon, c'était quand même un moment de gloire. On a réussi à atteindre au sommet. Ouais, mais on n'a pas vaincu Zaman Toutou, hein. Quoi? Bah oui, pour prouver qu'on mérite vraiment d'être les premiers à atteindre au sommet, on doit vaincre Zaman Toutou. Il est dur à vaincre. Donc, c'est aussi pour ça pourquoi est-ce que personne n'a réussi à atteindre au sommet. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à vaincre Zaman Toutou. Donc, autant qu'on n'a pas vaincu Zaman Toutou, et ben on peut rien faire. C'est ce que j'ai lu dans les encyclopédies. Putain! Alors là, franchement, ça veut dire qu'on a fait tout ça pour rien? Shoot dans le Gérald! Quoi? Et moi, je vais m'allonger un peu, hein, parce que là, je suis en sueur, hein. N'empêche que je me demande si un jour on va réussir à faire... à atteindre au sommet, hein. Non! Oh bah d'accord.